CST, le drame qui a fait la une de l'actualité vendredi 22 octobre 2021. La veille, sur le tournage du film Rust, au Nouveau-Mexique, avec Alec Baldwin, une tragédie a eu lieu et a fait un mort et un blessé grave. Alors qu'il était en train de tourner une scène avec une arme, le comédien a accidentellement tué Alina Houchin, la directrice de la photographie du film, jeudi 21 octobre 2021. Dévasté, Alec Baldwin est sorti du silence, sur son compte Twitter, le lendemain. Il a fait part de sa grande tristesse et de son désespoir alors qu'il pensait que l'arme n'était pas chargée. Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l'accident tragique qui a coûté la vie à Alina Houchin, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée, a ainsi écrit l'époux d'Hilaria. Afin de faire la lumière sur ce drame, il a également assuré qu'il collaborait avec les forces de l'ordre. Quelques minutes plus tard, toujours sur son compte Twitter, il a précisé qu'il était en contact avec le mari de sa défunte collègue, pour l'accompagner dans son deuil. Je lui offre mon soutien, ainsi qu'à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Alina, a conclu Alec Baldwin sans doute très ému. Les conditions de tournage du film dans lequel Alec Baldwin jouait remises en question depuis l'annonce de ce drame, le Los Angeles Times a révélé les nombreuses critiques formulées à l'encontre des conditions de tournage du film. Il n'y avait pas de réunion de sécurité. Il n'y avait aucune garantie que cela ne se reproduirait pas, a assuré un membre du staff au sujet de l'incident ayant précédé le drame. Tout ce qu'il voulait, c'était se dépêcher, se dépêcher, se dépêcher, a aussi indiqué la source, mettant en cause la production.